la crise du Covid et les confinements ont montré l'importance que peut prendre le numérique dans une période de crise pour faire en quelque sorte le relais pour une continuité pédagogique. Mais ces événements ont également fait apparaître les inégalités en termes d'accès au réseau Internet et également en termes d'équipement pour les familles. On peut dire également que ces événements ont montré la difficulté pour l'éducation nationale à impulser une politique du numérique éducatif. Et enfin, cette crise a montré le déficit de formation, de culture et de compétences numériques chez certains enseignants, ainsi qu'une appropriation assez disparate des outils et des contenus numériques par les élèves et par les familles. Donc toutes ces difficultés ont induit un débat national et créé une dynamique dans laquelle le CESE s'inscrit dans cet avis. Alors, le premier constat, c'est que depuis un certain nombre d'années, le numérique a induit des changements dans le système éducatif. En effet, les outils numériques et l'utilisation de contenus numériques apportent des modifications à la fois dans le métier d'enseignant, à la fois dans les apprentissages pour les élèves, mais également dans le cadre des relations entre les familles et l'école. La recherche nous apporte des éléments et montre des effets positif mais modeste du numérique sur les apprentissages et également sur la pédagogie. Le deuxième constat concerne l'impact croissant du numérique sur l'environnement. Et l'enseignement avec le numérique doit impérativement s'inscrire dans un objectif de développement durable. La formation et l'accompagnement, tant des enseignants que des parents ou des élèves, constituent le troisième constat au regard des enjeux fondamentaux qui sont ceux de la protection des données personnelles, de la souveraineté numérique ou du respect des objectifs de développement durable. Enfin, quatrième constat, une multiplicité d'acteurs, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités territoriales, des acteurs publics, des acteurs associatifs, sont parties prenantes, sont acteurs du numérique éducatif. Par contre, ils n'ont pas tous les mêmes responsabilités ni les mêmes enjeux, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes contraintes, ce qui complique évidemment la définition d'une stratégie partagée. L'enjeu participe d'une réflexion critique d'une politique du numérique éducatif, qui ne doit pas être envisagée uniquement sous ses aspects techniques, mais qui soit réellement mise au service d'une réussite pour tous les élèves et au service des apprentissages de tous les élèves. Les préconisations de cet avis promeuvent une utilisation des outils et contenus numériques qui soient durables, éthiques, raisonnés et inclusifs. Elles considèrent le numérique comme un outil potentiel d'innovation pédagogique, mais qui doit rester un outil parmi d'autres au service des apprentissages. Elles visent également à soutenir et renforcer la recherche et l'évaluation, mais également à mettre en place une gouvernance réellement partagée entre tous les acteurs qui ont cette compétence. Enfin, elle propose de renforcer la formation et l'accompagnement des enseignants et des familles, ainsi que de promouvoir un véritable service public du numérique éducatif.